machine de découpe. C'est un bon petit truc pour s'amuser avec ça. Ça, c'est d'autres cartons de surplus. Bref, je vous montre un petit peu en haut. Bon, mais c'est en haut ici, c'est du surplus ou des petites choses que je me sers là, à l'occasion. Genre, bon, les cils à broder, les crayons à craie, peinture céramique, peinture à l'huile que je fais aussi. Vous allez voir passer aussi dans les tutoriels de découpage. Je fais les œufs comme un peu comme les œufs Fabergé. Vous allez voir les œufs passer, bon, papier d'emballage. Bref, il y a un petit peu de tout, les boules en plastique et les grosses boules sur mousse. Pastel sec, PBO. J'ai comme beaucoup de choses ici qui sont comme plus du surplus que qui sert à l'occasion. C'est pour ça qu'il est aussi haut d'ailleurs, parce qu'à la grandeur que j'ai, je n'ai pas accès à ça beaucoup. Fait qu'on va se tourner. On va commencer ici. J'ai deux choses que je mets complètement habituellement à l'externe de ce que j'ai, qui est tout ce qui est Halloween, qui est dans le bac. Ici, j'en ai un Noël qui est rangé dans un autre garde-robe parce que j'ai plus de place. Qui sont bon, vraiment comme toutes des bases pour vous montrer. Bon, mes bases d'Halloween, dans le fond, j'ai comme plein de matériel là, que je me sers. Des choses que moi je fais, comme les citrouilles, je vais vous montrer. Je l'ai déjà filmé. Ce sont des petites citrouilles faites à la main qu'on va peindre, tout ça. Que c'est comme bon, mon matériel d'Halloween que je ne me laisse pas avec le restant du matériel, tout simplement parce qu'à un moment donné, j'ai plus d'espace. Ici, je range ici, dans le fond, tous les calepins, les grands cahiers, les grandes feuilles qui ne rentrent pas dans le restant, là, parce qu'ils prennent trop de place. La même chose pour mon autre scarpelle qui est du 12 par 12, qui n'est pas le tout petit. Donc, je le laisse ranger là. Ici, vous allez avoir ben, mon sac à broderie que je suis en train de commencer à apprendre. Demandez-moi pas la broderie si je suis bonne, là, je commence. C'est un nouveau petit passe-temps. Je vieillis, c'est quand je me suis dit, bon, la broderie, ça serait bien. Mon amie Joanne ne m'aimera pas en ayant dit ça. Bref, ici, bon, j'ai comme tous mes stems, les dailles, là. C'est pas encore tout classé à mon goût. J'ai quand même mes petites nouveautés ici. Un album que j'ai ici, c'est que ça aussi, là, en tuto, ça peut être quelque chose, là, de possible. Attendez, je vais vous montrer. Comme ça ici, on ouvre la petite pochette ici. Bref, c'est un petit journal avec plein de cachettes. Là, je veux pas le briser. Mais avec rien qu'une main, c'est pas évident. Et voilà. Bref. Je vais essayer de vous le montrer. Là, chaque pochette a une double poche. Ici, il y en a de cachés un peu partout. Ici, il est aimanté. Fait que, bref. Un petit peu de tout dans cet album-là, mais c'est un projet que je peux faire. OK, à partir de là, ici, bon, j'ai comme tous des pads 6 par 6, d'autres dailles. Comme je dis, qui n'est pas encore tout rangé, là, j'ai encore du 6 par 6 ici. C'est ma section condensée un petit peu plus de carterie, puis, tranquillement, je vais mettre de l'ordre encore là-dedans, là, fait que vous allez voir beaucoup de choses passer aussi. Bon, et pour le mix média ici, j'ai une partie qui est commencée, là, ici, là, le mousse racine, gravier, coquillage, etc. La récupération de bijoux. Tout est quand même classé là, par section. Là. Les papillons, la broderie, mes rubans, la tulle. C'est tout du matériel qui me sert pour le mix média. En haut, j'ai d'autres 12 par 12 parce que j'avais plus de place. Bon, mon surplus de pochettes plastiques qui me sert surtout pour la pré-préparation des projets. Quand j'ai des idées, je mets du matériel dedans, je les mets de côté. Je vais prendre des petites notes sur des cartons. Comme ça, ben, je ne perds pas toutes les idées que j'avais parce que mon cerveau, des fois, il y a trop de choses dedans. Mais bon, surplus qui sont pour donner des ateliers, des cours là, que je donne à la maison. Mon surplus
d'objets à transformer pour le mix média. Fait que tout ça, vous devriez voir passer ça à un moment donné pour faire des ateliers de mix média. Fait que dans le fond, d'altération. Fait qu'on va avoir bien du plaisir avec tout ça. Bon, petit surplus, ben, en tout cas dans mes livres, mes albums, des albums d'échantillons là, pour des textures que je vais vous montrer plus tard, les encres à alcool, j'ai de la peinture fluide qui est encore là, certaines pièces de bois, petit surplus, les cartons, les papiers, c'est pas mal là-dedans, là, mes cartons de couleur là, pour la carterie, ils sont pas mal rangés dans ces pochettes-là. Ici, bon, j'ai mes petits bacs, ah, lui, il est pas censé être là, il a oublié de monter. Bon. La petite urne, pour ceux qui se le demandent, c'est ma meilleure amie qui est décédée il y a 4 ans. Fait que, elle est toujours avec moi dans mon atelier. Et la petite figurine, qui est un crayon que j'ai fabriqué, qui était pour elle, était aussi à elle là, que ses enfants m'ont redonné à son décès. Fait que, bref, c'est ma meilleure amie. Et puis après ça, bon, c'est ça. J'ai mes petits coffrets que je suis en train de fabriquer, qui sont pas encore peints, que j'ai seulement posé des petites pattes dans le bas, qui vont finir dans des projets de mix média, mais je voulais quand même me servir du rangement là, le plus tôt possible. Mon petit coin tropical, parce que vous allez voir que je tripe sur les flamants roses. Fait que je me tannerai pas, c'est pas parce que c'était la mode, j'aimais déjà ça avant. Je dois être parce que j'ai trop fait de camping dans ma vie, j'aime les flamants. Bref, c'est ça. Ici. Bon, petit surplus de papier, ça vous l'avez vu passer dans un tutoriel. Je pourrais peut-être en parler un petit peu plus de la plaque aimantée de Windy Vicky, qui va super bien pour faire du stencil, que ce soit avec les distress, avec la peinture. Pour les stencils, je les adore. Bon, surplus de papier, ici, vous avez vu passer quand je fais l'art journal, les sentiments. Ces sentiments-là, c'est moi qui les ai faits. C'est dans mon ordinateur, c'est à imprimer. Moi, je les ai imprimés sur du carton du 110 pour avoir quelque chose qui était comme bien épais. Mais je les ai en ordinateur si jamais il y a quelqu'un que ça pourrait intéresser. Bon, mon matériel à dessin à croquis. Ces pochettes-là ici, je vais vous les montrer comme il faut. On va s'en sortir une. Ici, vous allez voir, ce sont mes stencils. C'est ma façon de les ranger. Parce que j'en avais quand même beaucoup, puis je voulais voir bien les formes de ce que j'avais. Fait que bref, vous allez voir ça. Comme vous voyez, je suis un petit peu excessive, j'en ai quand même 3 pochettes. Et je continue à en acheter. Ici, ce sont tous mes stamps. Là, il y a mes nouveaux, mais qui me servent pour faire des fonds. Fait que ce sont les stamps, là, qui me servent pour faire des fonds que je ne mets pas avec la carterie, parce que c'est vraiment tout le monde à part. Ici, tous mes art journal, des cahiers à croquis, c'est comme pas mal tout ici. Les encres acryliques, ça aussi c'est quelque chose que je vais vous montrer. Encre acrylique et encre de Chine. Avec le temps, là, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Tout ce qui est dorure, j'ai ça ici. Dans le fond, qui est des papiers, des feuilles d'or, de la feuille d'or, puis des flocons, là. Fait que j'en ai comme plusieurs compagnies, plusieurs marques. Ici. Petit ensemble de poudre que j'ai fait venir là, sur Internet, là, je ne me souviens même pas où. Ce sont des poudres qui sont glow in the dark, que je vais essayer avec bon, des peintures, du mix média, mais c'est à faire des tests, c'est pas encore essayé. Ici, bon, j'ai toutes mes paillettes. La colle paillette aussi. Cet ensemble-là ici, c'est moitié aquarelle, moitié gouache, dans le fond, qui est tout simplement séparé en deux à l'intérieur. Vous allez me voir quand même l'utiliser assez souvent, mais éventuellement, je vais quand même essayer d'autres compagnies que celles qui sont à l'intérieur, qui est Arteza présentement. Ici, j'ai les Woodies de Stabilo, qui sont des crayons 3-1 que je vous présenterai dans un tutoriel de produits semblables, parce que dans le fond, il y a Woodies, ben Woody, pas Woodies, moi je mets des S en anglais, ça n'a pas de bon sens. Il y a Woody, il y a les Prima Oil Pastel, les Néocolor de Carandache, il y a les Gelato de Faber-Castell, King's Art qui sont disponibles sur Scrap en masse. Bref, il y a plein de compagnies qui font ces produits-là, mais je vais vous les présenter parce qu'ils ne servent pas toujours de la même façon. Mais ils ont tous le même bel effet, mais il faut savoir s'en servir tout simplement. Fait que, bref, on arrive ici, mon petit chariot.
C'est le chariot de médium, le média plutôt, qui est assez intense en frais de matériel. Ici, j'ai les crayons d'Erwin Graphitine qui sont aquarellables, que je me sers beaucoup en art journal. Dans le fond, vous avez plusieurs. C'est des crayons vraiment graphite, comme un crayon à mine. Mais ça va être des crayons de plusieurs couleurs différentes qui sont teintés. Que ça donne vraiment un bel effet. Je vais vous montrer plus en détail. Bon, ici, petit ensemble de Jane Davenport, mais que je n'ai jamais encore essayé, qui sont des grosses pastels. Et je les ai passés. Ça fait partie de mes tests là, que je n'ai pas encore fait. Ici, j'ai. Ce sont tous. Je vais juste vous le montrer comme ça, là. Ce sont toutes des poudres à embosser. Ici, j'ai tous les Magical Indies, les brochots et Chroma Burst, là, qui sont de Immix. C'est ça. Ça, j'en ai comme quand même beaucoup. Et là, j'ai la nouveauté à essayer, le Fabrica des Coraux. Ici, j'ai tous mes gelatos. Il y a Marabout aussi qui les font, dans le même genre. Et mes pits pastels. Ça aussi, c'est des belles techniques que je vais pouvoir vous montrer avec les pits pastels. Pas pits pastels, mais pits Faber-Castell. Ensuite, ici, j'ai les poudres de mica, j'ai les Perlex. J'ai comme toute la série, j'ai les Arteza. Ça aussi, je vais vous montrer des tutoriels pour faire des pâtes de texture nous-mêmes avec. Dans le fond, des peintures, plein de choses dans le fond avec les poudres de mica qu'on ne sait pas toujours quoi faire avec. Ici, dans le spectrum noir, ce sont les aquatines qui sont des aquarelles liquides. Je vous montrerai les teintes, là, mais ça aussi, là, je vais vous les remontrer. Il y a aquatines qui sont des couleurs de base, puis qui n'ont pas de. Qui n'ont pas de brillant, dans le fond. Et il y a les sparkles là, qui sont scintillants, qui ont, mais ils en ont vraiment beaucoup, beaucoup de brillants. Fait que c'est vraiment, mais c'est vraiment des belles couleurs vives qui travaillent de plusieurs façons. Je vais vous montrer ça. Encore d'autres poudres embossées qui sont pas mal toutes des Lindy's. Versamark, en tout cas, bref. Plusieurs choses. Ici, comme je vous parlais, des pastels à l'huile. Néocolor en bas. C'est ici. Ici, j'ai mes Archival Ink. Ici, mes Distress, qui sont dans ma petite boîte que je me suis fabriquée. Les Distress Ink, là, je vais juste vous montrer comme ça, je vais pas tout sortir. Les Dauber. Bon, certaines encres. Ici, j'ai mes aquarelles Prima. Que je veux d'ailleurs m'en faire pour m'en commander d'autres qui sont tellement géniales, qui vont vraiment bien. Pour de l'aquarelle qui est de type artistique. Crafting. Après ça, ici, bon, j'ai plusieurs autres marques d'aquarelle. On arrive dans le plus professionnel qui est le Winsor & Newton ici. Et ici, c'est vraiment mon aquarelle qui est professionnelle, qui est beaucoup Daniel Smith, Paul Rubens, HWC. Dans le fond, HWC, c'est Holbein. Et puis, je me souviens jamais du nom de l'autre. En tout cas, j'ai une autre compagnie que je vous montrerai, qui sont vraiment des aquarelles professionnelles. Dans le fond, les crayons qui sont rendus, ils sont rendus là-dedans. Bref, c'est mon chariot qui est ici de beaucoup de matériel. Après ça, ici, on arrive à mon premier chariot. OK, premier chariot ici, j'ai des peintures iridescentes. Je vais l'étirer un petit peu. OK. Des wax qui est Inca Gold. En tout cas, j'en ai plusieurs. Des peintures à la craie. Tous mes marqueurs acryliques. J'en ai comme plusieurs, mais c'est génial à travailler. En voyant plusieurs de mes tutos, vous allez vous en servir beaucoup avec moi. Ici, j'ai un autre Massico que je me sers toujours là, dans le Helico Presto. Ici, c'est des bobines de. Dans le fond, j'ai des grosses bobines de ruban double face en mousse, qui est très mince, c'est que je les plie en deux. Et dans le fond, je me fais des grands bâtons comme ça qui me servent pour la carterie ou peu importe. Là. Fait que c'est tout simplement ça de la récupération. Demandez-moi pas d'où ça vient. Ça m'a été donné, tout simplement. Après ça, on arrive au-dessus. Bon, tous mes ciseaux, les règles. Régleté, un coupe-coin, j'ai plusieurs brocheuses de types différentes,
Après ça, bon, les aiguisoirs, le gamsol que vous allez apprendre à vous servir avec, que je vais vous montrer à vous servir avec les crayons de bois. Bon, plusieurs types de colle, là, que ça aussi vous allez voir dans les tutoriels. Je ne suis pas encore parvenue à trouver, bon, ma colle parfaite. Malgré tout, c'est pas mal la lepage que j'utilise dans presque tout, mais je ne suis pas encore au stade de la colle parfaite. Bon, les têtes double face, c'est plusieurs grandeurs. Bon, le petit plateau qui me sert pour les poudres à embosser. Ça aussi, je vais vous montrer des petits trucs parce que sinon, c'est plein de statique. Le chariot à pinceau, qui est l'extra pinceau parce que j'en ai toujours sur ma table de travail. Pinceau, crayon en extra, là, de ce que je me sers un petit peu moins. Bon, ma fameuse colle Lepage que je me sers régulier. Il va être long pour vos vidéos. On va couper ça en deux. Les éponges, les petits bâtonnets à éponges, les dotting tools, les pipettes. Bref, ça, c'est tout là. Ici, petite nouveauté que je vous ai présentée hier dans mon dévoilement. Les Rustic Paint, les Shabby velours, que j'ai tellement hâte d'essayer. Bon, Vintage Antiquing Past, qui est dans le fond... une pâte à antiquer, qui est faite par Stemperia, que j'ai justement acheté chez Scrapamas aussi. Il y a quand même un petit bout de temps, qui est vraiment génial pour antiquer, vraiment plein de projets, et elle dure longtemps, parce que comme vous pouvez voir, le tube est immense. Fait que ça vaut, celui-là, il vaut vraiment, vraiment la peine. Petit surplus de peinture, ce sont presque toutes des peintures qui sont très, très, très scintillantes. Fait que ça nous rajoute de la belle... Dans le fond, de la belle luminosité, plein de brillance. J'aime les paillettes, finalement. C'est ça. Les peintures brillantes, ultra fines, tout ça, c'est tout là-dedans. Peinture or, peinture à la craie pour pouvoir. Ben, la peinture tableau, le glow in the dark, du vernis. L'alcool isopropylique qui me sert pour l'alcool, pour les encres à alcool. Ça, c'est un autre petit chariot de fait. Troisième petit chariot. On y va, il me reste de l'emplacement. Vous allez vous demander pourquoi il me reste un espace vide. Tout simplement parce que je veux me commander les Distress Stains. Stains que je n'ai pas du tout présentement. C'est qu'ils vont aller là, ils ont déjà leur petite place. Ici, ce sont bon, d'autres métal exprès que j'ai. Et d'autres sprays finalement là, de toutes sortes de couleurs. Nouveauté que je n'avais pas bon, dans les peintures Prima. Toutes les peintures métalliques. Bon. Ça aussi, c'était tout du nouveau qui était dans mon dans ma commande. Fait que c'est comme ça ira pas là. Je viens de le voir. On va l'enlever tout de suite. Mais pas tout ça, ça c'est toute cette nouveauté-là. Ici, j'ai les Distress Oxide en spray. Dans le fond, là, plusieurs, ça vous les connaissez déjà. Et j'ai les Shimmer Spray d'Illusion que j'ai tous. Mais je n'ai pas les. Ceux qui ne sont pas chez moi, je ne les ai pas. Là. Les ordinaires, là, je ne les ai pas encore. J'ai pas tout, comme vous voyez. On continue ici. Ah, on va en voir le bout, on va en voir le bout. Je me décourage moi-même, hein, vous savez. Ici, ce sont tous des peintures à la craie. Vous allez les voir passer, mais je vais tranquillement les épuiser. Parce qu'on les aura pas chez Scrap en masse. Moi, c'est sûr que je ne vais pas la perdre, je vais m'en servir, là, mais je vais toujours vous donner une alternative, de toute façon, aux peintures là, qui sont disponibles chez Scrap en masse. De toute façon, vous pouvez toujours faire l'alternative avec les Quitex, même si ce n'est pas à la craie. Ce sont des peintures que moi, j'adore. L'avantage avec les Quitex, on va en reparler, mais c'est du professionnel. Ça reste, même si c'est basique, ça reste des couleurs qui sont professionnelles, qui sont durables dans le temps, qui ne vont pas se décolorer avec le soleil. Mais ça aussi, je vais vous le montrer dans certains tutos, là, comment protéger vos œuvres du soleil avec le temps quand vous utilisez des produits de type crafting, comme les Diligent Paint, tout ça. On peut protéger nos œuvres pour qu'ils durent beaucoup plus longtemps. Sans se décolorer. Fait que ça, je vais vous en reparler. Bon, ces petits surplus de peinture métallique. Peinture métallique aussi d'une autre marque, là, mais là, ça va être Finabar que je vais me servir beaucoup. L'Anticarium Sticker Book, si vous voulez le voir, ça, je vous ferai un tuto qui est vraiment le fun. C'est plein de petits...
Le petit sticker, mais il faut aimer le genre, c'est très très vintage. Fait que ça, je peux vous faire un petit tuto là-dessus. Bon, non, le Crocodile, c'est Crocodile, je me souviens plus. En tout cas, oui, Crocodile. J'ai les deux perforeuses pour faire des œillets, celle qui est pour les journaux, pour les plus grands formats pour faire les trous, et puis la toute petite là, qui est dans sa petite boîte. Bon, gel presse, j'en ai deux. Vous allez les voir ici. Mon papier palette, mes gels presse. Comme ça ici. Après ça ici, ben ici c'est tout du surplus de papier, le lettrage, qui me sert pour leur journal. Ça, ce sont toutes des découpes que j'ai fait. Comme ça ici. Des découpes à l'avance, des retails que je me sers pour faire de la texture. Ça sert, bref, dans l'art journal, on jette rien quasiment dans l'art journal, on garde tout. Ici, même chose, les stickers, des papiers, des petites nouveautés. Là, mes robins sont là avec mes frames que je me suis acheté là, cette semaine. La même chose ici, ce sont toutes des éphémères, tous des petits paquets d'éphémères. Comme je vous disais, je garde rarement les emballages. Moi, je remets dans. J'ai gardé tout simplement que l'étiquette avec la marque dans le sac. Je me retrouve plus facilement visuellement parce que sinon, à un moment donné, on en a vraiment trop. Mais tout classé comme ça dans les petits sacs transparents. C'est important le transparent. C'est moins beau visuellement quand on regarde globalement l'atelier, mais on se retrouve beaucoup plus facilement après. Et puis, ah, petit clin d'œil pour Annabelle. Je n'avais pas remarqué dans ton colis que c'était un collant. Donc, il va me servir dans le art journal parce qu'il est magnifique, ton lion en papier. Okay. Je vais m'en servir, c'est sûr. Ici, on arrive à mes rangées de chipboard. Ce sont tout simplement, bon, comme vous voyez, j'en ai de beaucoup de compagnies différentes. Vous allez en voir passer beaucoup. Je suis une fan de chipboard. Je garde tout. Vous allez voir que ça, ce sont tous qui retaillent. Ils servent tout à quelque chose que je vais vous montrer. Ça pour donner de la texture, soit pour surélever les projets. Bref, on garde tout ça. La même chose ici, là, vous allez voir dans les découpes. Je ferai peut-être un petit quelque chose au niveau des chipboards d'une autre vidéo. Mais je vais juste montrer rapidement. Comme quoi que bon, il y en a un et un autre. Plusieurs compagnies aussi. Ici, ce bac-là, ce sont toutes les napkins pour le collage. Et les papiers de soie. Pas les papiers de soie, mais les papiers de riz. Vous allez voir, là, j'en ai comme plusieurs papiers de riz. Fait que ça, c'est mon bac là, qui est pour le collage, l'art journal. Ça sert aussi dans le mix média. Oh, ma nouvelle petite planche de minuter. Je l'ai commandée cette semaine, est ici. Les washi tape. J'en ai quand même plusieurs. Bon, ça que je vous disais, je garde tous les retails. Ça sert pour les collages de mix média. Fait que c'est mes petites retails. Bon, petit bac cordes et ficelles. Ça sert beaucoup pour le mix média. Les mécanismes d'horloge, les pièces de résine qui sont déjà faites. En haut, c'est aussi les pièces de résine qui sont déjà faites, qui sont juste rangées autrement. Bon, les petites textures, du surplus de tape, du surplus de peinture, surplus de coton ciré, les livres, les surplus. C'est ici. Ici, ce sont toutes des pièces que j'ai moulées avec du plâtre de Paris.